Mesdames, mademoiselles et messieurs, gros bonjour et bonsoir pour nous tout le temps. Bienvenue sur TV La Caille. Aujourd'hui, c'est mercredi 25 août 2021. Et c'est pratiquement troisième sortie nous pour ce maintenant. On a profité de remercier avant même nous entrer dans le détail à gros développement que nous pouvons faire pour vous. Dans l'information, ça même, on a remercié tout ceux-là qui toujours été connecté sur TV La Caille. Qui pas jamais lagué nous, on a dit merci pour fidélité, merci pour patience, merci pour choix que vous faites tout. Et parce que donc ou fait choix de yon nan pi bon canal qui la sous plateau pour informer ou sous actualité yo, que ce soit en Haïti ou bien dans tout racoin dans reste monde là, nous toujours là n'a chercher n'a bousquer pour nous porter information pour vous. Sans nous pas parler trop, mesdames et messieurs, nous pral entrer en dans information aujourd'hui à là. Et bien Stanley Lucas s'en confirmer encore une fois, et monsieur donc bay qui quantité fois et nouveau premier ministre PIA qui c'est Ariel Henry parler avec un assassin qui au même tué président République là, et on va saisir tant de détails qui en dans vidéo ça. Et puis monsieur fait connaître tout pour PIA Ariel Henry remettre démission parce que monsieur campé en quoi pour donc enquête ou bien pour président Jovenel Moïse pas joindre justice dans cadre enquête cap mené pour joindre vrai coupable là dans assassinat ça. Donc nous pas inviter au gué détail, rester connecté, pas oublier abonner, liker, partager, commenter vidéo à n'a tourner politique pour moi-même matin m'a dit clairement premier ministre Ariel Henry doit démissionner. S'il va démissionner, cabinet a dû remplacer par un autre premier ministre. Son gros des garçons fait là, oui. Premier ministre Ariel Henry doit démissionner. Vous mettez bonne cloche. Et donc moi-même matin m'a dit pour qui ça faut qu'Ariel Henry démissionner ou bien pour cabinet ministériel là remplacer par un monde dans cabinet qui doit venir premier ministre. Numéro 1. Monsieur font blocage à l'enquête du président sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Numéro 1. Monsieur va jamais faire une conférence de presse pour dire maintenant niveau que l'enquête là va avancer. OK, numéro 1. Claude Joseph second bail. De temps en temps, information, mais qui j'ai bagaille avant. M'sieur pas jamais fait. C'est un bagaille là. M'sieur allé dans Scoop FM, m'sieur allé dans le Nouvelis, lui-même Ariel Henry qui n'a imité, Badio Joseph à John Joël Joseph qui n'a imité, participer dans tous les résidents, m'sieur Douli pas croire que Badio Joseph fait ça. Ça veut dire que m'sieur baille la justice pression, m'sieur baille commissaire gouvernement pression, m'sieur baille DCPJ, commandement de la police, ministre de la justice pression, pour orienter l'enquête là. M'sieur pas doué là encore comme premier ministre, comme président du CSPN. Troisième raison. Comment vous voulez que jeudi a fait 49 jours que vous touillez président Jovenel Moïse? Et puis, je ne sais pas mettre 10 millions de gouttes, demander finance, mettre 10 millions de gouttes pour n'importe qui monde qui mène John Joel Joseph vivant par la justice. Si je ne sais pas pourquoi faire 10 millions de gouttes pour n'importe qui monde qui mène John Joseph par la justice. Si je ne sais pas 10 millions de gouttes pour n'importe monde qui mène Wendell Cox par la justice. Ou bien 10 millions de gouttes pour n'importe qui qui mène Rodolphe Jean à la justice. Ça veut dire que je dis après avoir parlé avec vous là, pour qu'il y ait la stabilité politique, le cabinet ministériel là doit remplacer un ministre qui a dégagé entre eux, un premier ministre. Ariel Henry, si vous voulez être ministre des Affaires sociales, il n'y a pas de problème. Même si pas un premier ministre pour position que monsieur prend par rapport à l'enquête. Non, mon, puis c'est vous-même qui a bloqué l'enquête comme président. Ça veut dire que vous avez protégé les ministres qui n'ont pas. Pour le président. Merci Bill. Dis, aujourd'hui, c'est 25 août. Dans trois jours, nous allons commémorer un an la mort de M. Monferrier Dorval. Assassinat président Jovenel Moïse, pour moi-même, vine femme découvrir clairement qui est-ce qui touye M. Monferrier Dorval. Et ça, Louko, Tatou et l'Excident, nous font recherche pour nous venir dire, peuple, si ça m'a dit là et menti. Monferrier Dorval font une interview le 28 août 2020 sur Radio Magique. Dans l'interview, ça, pour moi-même, une question que vous posez, et en même temps, qu'a fait nous jouer un assassin qui touille, et mettre Monferrier Dorval là, bien facile. Dans l'interview qu'elle fait, qui est disponible sous SoundCloud, n'importe qui a attendu, ils ont demandé, journaliste a demandé mettre Monferrier Dorval, qui j'en fait aujourd'hui à la radio, ça, ou pour une position politique qui est différente de client ou sojénaire. Mais mon Ferrier Dorval, dans l'interview, a répondu que client que nous avons pas déterminé qui position politique que nous devons prendre. Moi-même, je demande de CPJ matin. Elle garde en dedans de Divisel. Parce que sous serveur computer Divisel là, il y a tout un SMS et tout WhatsApp que vous voyez. Elle garde dans le serveur Divisel là, 20 août 2020,
à 8h du matin, l'interview à ta fin. Si journaliste a recevoir question ça à don moun qui te voye question ça, a regardé téléphone ni, gardé tout WhatsApp qu'elle te voye jour 28 août 2020, y a joint qui moun qui touye met Doval. La. Pour moi même, c'est question ça qui touye met Doval. Merci en pile, Sandé. Enquête sous Jovenel Moïse a montré que Badio Joseph est dans la zone depuis un an et demi à veiller le président Jovenel. Pour moi même, c'est Badio Joseph tout qui touye mon ferrier Doval. DCPJ doit le garder. Donc je dis, c'est pour ça, dans le cas que nous y a, pas de personne qui a bloqué le mouvement ça que le peuple a rentré là-dedans. Trois pouvoirs l'État qui n'en met, Milat assassin et volé, qui différent de Milat qui travaille, qui a payé taxes, faut que Milat qui pas dans volé, qui pas dans tout le monde, qui pas dans écraser l'État, écraser le pays, faut que travaille à la majorité, nous n'avons qu'à fou historique pour nous faire union ça, pour nous casser tout Milat assassin et volé. Et puis c'est que le secteur qui a pris un conteneur dans le monde, qui a pris un corps dans le monde, pour peut-être nous, au lieu de jouer sur le groupe WhatsApp, venez par détail, ça nous fait à quel conteneur qui nous mène. Vous avez nous qui avons la loupe. Solidarité, peuple à peuple. Et c'est la valeur pays, racine pays, nana pays, force pays. Lorsque vous avez des malheureux et malheureux qui prennent bourrique, ils sont côté, ils sont là. Ils ont porté banane, ils ont porté poids. Je peux te manger, peuple cap pour te manger by peuple. Bien. Ça, c'est la force racine nan valet nous comme haïtiens. C'est ça où les solidarités nationales là tout bon. Et là où est, j'ai fort, on sait de nek tant qu'on même a fait. On sait de nek tant qu'on bob se a fait. C'est ça où les solidarités réelles nationales là. Ici si aux États-Unis, les gens bagaille comme ça, où est Bill Gates, Warren Buffett, gros millionnaires, milliardaires. Ou est-ce que c'est pas masse, pas paquet qui a fait ouais. Solidarité à peuple là. Et pas gagné un faux off là-dedans. Et ça, même parce que l'indicateur d'un bagage qui existe dans la société, ni au niveau de l'État, ni au niveau des élites, d'une partie des élites du pays. Mm-hmm. Et ça, on va répéter l'encore matin, parce que c'est l'important, on va nous parler de monde dans trois départements qui victimes. Ça, c'est un bagage qui a boumé contre lui aux États-Unis. Président Biden, démocrate, il a commencé à boumé contre ça. Il a remarqué que l'institution de l'État américain, quand il s'agit de monde noir, il n'a pas traité monde noir tant que monde. C'est ça que fait by George Floyd, l'envie de vivre. C'est ça que fait tout un mouvement aux États-Unis qui est le Black Lives Matter. Ok? C'est parce que, en dans l'institution de l'État, il y a un certain racisme systémique qui existe dans l'institution de l'État américain. Qui fait que j'ai un cas de traiter mon noir, il n'y a pas de traiter mon noir comme ça. Il n'y a plus de traiter blanc bien, mais laisser mon noir. Donc Biden, comme président américain, et parti démocrate, a décidé de faire comme ça. Nous-mêmes, dans le pays, pas nous, racisme systémique, ça, l'existe en de société. Les gens qui racistes sont les gens qui ont dit pour clair, et puis, ils gardent mon noir, même à l'époque de l'esclavage, qu'ils ne sont pas tout bon. Allez, les gens qui sont en province, les gens qui sont en section communale, ils ne pas mon. Donc c'est comme ça le cadeau, c'est ça l'état mental lié, c'est ça qui est dans la tête. Donc en tant que société panouan, nous avons ça les Mila. Dans les Mila, il y a deux catégories. Bon série de Mila qui connaissent les nègres, ils travaillent du bout des goudins, ils payent les taxes, ils fonctionnent normal dans la société, nous n'avons pas de problème avec eux. Mais bon, si groupe Mila en dedans pays, Mila, ils sont racistes à l'éduquer, les cadeaux comme nous noirs. Qui dans la section communale là ou qui dans le pays ou pas monde vraiment devant eux ou rester avec eux. C'est une sorte de apartheid économique ça que vous mettez en place depuis les nègres qui ont touché des salines en 1806. Donc, même si vous avez raciste ça, les nègres qui ont un bon concept que étudiant en sciences politiques maîtrisé, qui est les captures de l'État, les nègres qui ont capturé trois pouvoirs de l'État, yo. Pendant qu'on pense que vous mettez président, vous mettez sénateur, vous mettez monde dans la justice, qui a dirigé l'État, c'est pas eux-mêmes qui a dirigé, vrai dirigeant l'État, c'est Milat raciste et volé, assassin qui a capturé l'État. Et c'est Nex Ayo qui prend trois juges dans le cours de cassation, qui a mis eux dans tous les présidents. C'est eux qui a dicté décision judiciaire. C'est eux-mêmes sous 28 sénateurs qui contrôlent 20 sénateurs. Dans 10 sénateurs qui étaient là, ils contrôlent 7. C'est eux-mêmes qui ont pris dans BMPAC, ils prennent 197 millions de gaz pétro-caribé à 25 domaines. C'est eux-mêmes qui entrent dans l'EDH, ils font gargote qui ouvre. C'est eux-mêmes qui entrent dans l'ONA, ils prennent 2 milliards 900 millions de gouttes et travaillent à 1 million de dollars cash,
même les unités de police contre la corruption fait rapport qui montre comment il a volé et pour ELC, c'est pas même qu'à mettre en bas parce qu'ils ont contrôlé la justice. Donc, racisme qu'on joint dans la société, ils viennent mettre racisme systémique là en dans institution. C'est pour ça, par exemple, bon, moi, si vous même locaux, ou bien tatou, ou dans le DGI, on fait le ligne pour aller payer, sans vous payer dans le DGI. Ni la racisme, il vient d'entrer dans le bureau directeur. Il va gagner pour la ligne. Ni la racisme, il vient d'entrer dans la banque centrale. Il prend 30 millions de dollars américains chaque mois pour blackout. Et puis, ou même qui là, soit on vient dans la banque centrale pour aller chercher le crédit, même garder, on va garder au dans le couchin. C'est le racisme systémique. Ou bien rentrer 30 millions, là, le prend dans la banque centrale là, chaque mois sans problème pour blackout. Et puis, trois départements géographiques dans le site là, souffrir là. Et puis, comme santé publique besoin, comme FAES, dîner pas et la prière besoin, pour aller faire la service dans le site, la banque centrale doit gagner l'argent. Mais laissez pour 1000 racistes voler à assassin, ça sort 30 millions de dollars américains chaque mois. Ok, standez. Et, je vais même en fait, nous même si allons sur le débat. Je vais que l'autorité, pas de personne qui dit rien, sous quantité de cop qui a entré là, sous question comme aide, sous question cyclone et tremblement de terre, 14 août 2021. Je vais même parler de vous. C'est peut-être sur les réseaux sociaux qu'on a essayé de comprendre. Regardez, quelle information est-ce sur ça? Bon, et comment est-ce qui est très important dans l'aide d'Algérie? Moi, j'ai des gens dans le secteur des sous-terres, donc le secteur démocratique, parce que nous avons 17 containers dans le monde, nous disons ça matin dans son radio, et puis nous avons 15 millions de gouttes de recevoir qui dans le monde, pour faire pnit, nous avons signé l'adrier, au lieu de venir par détail, qui ça a fait 17 containers, moi, j'ai des gens qui ont voué les pieds toute la journée. Avec le sorti à Koumada Kikoye, doué gain sa relè en coordination de l'aide externe à Haïti. Parce que des bagues nous apprennent depuis 2006. En 2006, qui ça nous apprend? Blanc, yon met mon structure qui est le CIRH, c'est eux même qui recevoir l'argent, c'est eux dépenser l'argent, Haïtien pas la dedans. Yon crase 10 milliards de dollars américains comme ça. Nous même Haïtiens, avec dit l'État, secteur privé, société civile, nous ne pouvons pas participer là-dedans. Mais yon crase comme là tout de nous. En même temps, tout, en 2010, nous apprenons que sous chaque 1 dollar que ONG étranger ramassé à l'étranger, c'est 5 copes qui vivent sous terrain. La Croix-Rouge américaine ramassé 900 millions de dollars américains sous nous, c'est 4 cailles qui ont construit dans le pays. Ok, on nous était sous 39 de terre, ça, et sans dire, ça, c'est pas comme ça, vous répétez plusieurs fois déjà, ou ça me doit sur ça passé. On nous était sous 14 août 2021. Ok, qui ça a fait là? Quelle information gain de aide qui a privé dans le pays? Ok. Qui ça doit faire? Ça veut dire que bon ensemble de pays et d'institutions qui bannent nos corps. Ils ont quantifié, tout le monde montré combien de corps qu'il y a. Faire Wall et Simon Dera comme ministre de la Planification pour faire une conférence de presse, pour dire, mais qui pays, mais qui institution qui bannent corps. Parce que moi-même, pour moi, tout le monde bannent nos corps. Là, on dit qu'on bannent nos corps là. L'État haïtien n'a pas recevoir corps là, non? Et c'est pour ça qu'on nous clair. Américain, il a dit qu'il a boit 8 millions de dollars américains. Nous ne pouvons pas goûter là-dedans, non? Ça veut dire que c'est contracteur américain avec ONG américain qui a recevoir le problème. Oui, mais laisse ça, faut autorité haïtienne au deal. Faut autorité haïtienne au deal. C'est ça. Ça veut dire que sous chaque dollar qu'on a déplacé, c'est 5 à 10 comme qu'on a privé sous terrain. Ça veut dire que si on boit 1 million de dollars américains, c'est entre 500 et 600 000 dollars qu'on a privé sous terrain. Donc nous-mêmes, en tant que l'État, parce que dans l'État qu'il a, je ne l'ai pas appelé, c'est Simon Dera qui est ministre de la Planification. Pour Dera vient en conférence de presse ensemble avec le Premier ministre. Hein, c'est clair. Pour dire, mais au niveau bilatéral, de pays à pays, mais qui ça au bail, mais qui institution l'État qui recevra ou bien institution l'État qui va recevoir rien, mais comment qu'on blanc va le dépenser, au niveau local, mais qui je nous parle de distribution, là, pendant que je parle avec vous là. Bagon, si c'est manque de compétences, ils sont question d'amateur, ou bien est-ce que ministre tout neuf qui fait criver, bagon qui s'est criver, transparence ça nous baguen. Et m'a tout profité dit, Nenel Kassimène, sous pas content, 17 conteneurs qu'on recevoir, qui vient manger, tolé la trier, à 15 millions de gouttes, vine bague détail comme on va distribuer le nanny plan frère. Moi nous fâchons pour être dit ça. D'accord. Ok, tout conclue pour nous. Bon, pour me conclure, moi-même c'est. Et c'est sous deux bagages m'a compris. Vous avez dit à nous connaître que il y a plus que 2200 personnes qui mourent, il y a 320 personnes qui disparaissent,
y a 12,500 blessés. Jusqu'à présent, conseil des côtés blessés ou pas qu'à recevoir aide. Mm-hmm. Et ministère de la Santé publique, si Banque Centrale la finance pas bon comme, faut venir du peuple à ça, c'est racisme systémique qui faut pas venir comme là. 53,000 cas qui détruit, faut nous commencer à garder comment nous pouvons faire un crédit sans intérêt pour que nous puissions faire un crédit. 77,000 cas qui dommagent, faut nous voir combien de cas qui sont pour nous renforcer. 700,000 sinistrés, faut un plan à court, moyen et long terme pour gérer. 20% des infrastructures électorales qui crasent, qui affectent 13% de l'électorat, faut que KEP a dit, est-ce que la fin de 7 novembre n'a toujours pour référendum, élection anti-genre pour le faire. 3,4 milliards de dégâts que nous faisons, comment on va gérer ça, c'est au niveau purement de dégâts.